Good morning, allez Yiden, tu seras aujourd'hui l'Irfoua Taraf Baruch Shmuel Ben Labetor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions Masechet Megillah Perek Dalet Mishnah Gimel. En porsin et Shema. Ven ovrin lifnei ateva. Ven nosin et kapehem. Ven korin batora. Ven maftirin banavi. Ven osin ma'amad u'moshav. ואין אומרים ברכת אבלים, ותנחום האבלים, וברכת חתנים, ואין מזמנין בשם, פחות מעשרה ובקרקעות, תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהן. פרינסיפ, très simple, 13 מצוות, 13 occasions, événements, ou mitzvot à réaliser en public. En général, ce sera parce qu'il y a un devoir d'être mekadesh, de sanctifier le nom d'Hachem. En public, comme par exemple dire le Kaddish, et tout ça. Donc ce qu'on va voir maintenant, qu'on va découvrir 11, plus 2 mitzvot après, on expliquera qu'on a la Mishnah, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, donc au total 13 mitzvot à réaliser, où il faut nécessairement 10 personnes. Et la Mishnah commence à me dire, en deux mots quoi, si vous voulez faire une tfila en public, il va falloir 10 personnes pour faire le Kaddish, Barichou, faire la Gdusha. Maintenant, je vous explique aussi quelque chose. Peut-être que je fais tout en fait à l'oral pour le gros de la Mishnah d'abord. C'est il y a plusieurs mitzvot lorsqu'on prie en public. Et chacun c'est une entité différente qu'il faudra 10 personnes. La particularité elle est que s'il y a quelqu'un qui sort au milieu, tant que la majorité le reste, on continue la mitzvah même si on n'est plus 10. Mais si on passe à l'autre maillon, à l'autre part, l'autre tronçon de tfila, ou de mitzvah à réaliser en public, s'il n'y a plus 10 personnes, on s'arrêtera. Par exemple. La Amida, Shmona Esrei, la Chazara Tachatz. Il faut 10 personnes. On commence pas moins que 10 personnes. Si maintenant il y en a un qui se met à partir en plein milieu, mais imaginez même s'il n'est pas fautif, peu importe si c'est intentionnellement, non intentionnellement, c'est un sauveteur du quartier. Ça m'est déjà arrivé, j'avais un ami qui était sauveteur en plein de filet, il était en train de mettre ses filets. Il a reçu son beeper, c'était à l'époque où il y avait encore avant de recevoir l'électrique. Il a sorti le beeper, il a tout laissé en plan, il a vite couru pour sauver quelqu'un. D'accord? Il a laissé maintenant, on était en plein de Chazara Tachatz. On était 10, c'est le 9e. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la Chazara Tachatz. Mais attention, pendant la Chazara Tachatz, il va falloir faire la Birkat Kohanim. Ah, Birkat Kohanim, il faut 10 personnes, il n'y a plus. On a fait la Birkat Kohanim, il a commencé la Birkat Kohanim, il a reçu son biper qui doit partir. On continue. On arrive ensuite à la Kriyat Torah, il n'y a plus 10 personnes. On a commencé la Kriyat Torah. Ça va bien, on a commencé. Ah, il a dû partir, on continue. On finit la Kriyat Torah. Mais après, on ne pourra plus continuer. Selon le cas aussi, il y aura le Kaddish. D'après, il appartient à la mitzvah précédente, donc on pourra aussi continuer, mais pas d'autres mitzvot. Idem aussi, on a la Torah, maftir, il fallait 10 personnes encore supplémentaires, il est parti, on ne pourra plus faire le maftir, même s'il est parti pendant l'écrit de la Torah, et qu'on a continué l'écrit de la Torah, vous avez compris le principe? C'est très simple. Pour la plupart des mitzvot, à part ça, il y a... J'aurais préféré faire la Mishnah, puis après vous raconter encore un détail supplémentaire, mais seulement la Mishnah, elle commence par ça. Alors je vous explique très rapidement aussi c'est quoi l'histoire de Pores al-Shema. Il y a une mitzvot de prier en public, tous les jours. Il y a une situation, je crois que c'est plus en vigueur aujourd'hui, je ne sais pas dans la halakha pourquoi c'est pas en vigueur quand ça s'est arrêté, je ne connais pas, mais une possibilité de pores al shema. Soit, imaginez on avait 10 personnes, que chacun il a prié tout seul, parce que chacun il avait une heure différente, on ne pouvait pas se réunir, on a pu se réunir que plus tard, une fois qu'on avait déjà tous fini la tfila. On se retrouve à la Beth Knesset et on dit, hey, les gars, attends, hey, qu'est-ce qui se passe? On a personne de nous a fait la tfila en public, on a chacun pris de son côté. On a une mitzvah d'être pores al shema, lire la moitié du shema, ça veut dire quoi? Il y en a un de nous qui va se lever. Il va dire un kaddish. Il va dire barichou. On va faire la première bracha de Yotzer Abeorot. Et après, on lit la Kriyat Shema en public. Comme ça, on accomplit une petite mise en public. On a dit kaddish. On a dit barichou. C'est ce qu'on appelle être pores al shema. D'accord? Ça n'existe plus à notre époque. Je ne sais pas pourquoi. C'est encore apporté dans le Shulchan Aruch, tous ces détails de pores al shema. Je ne sais plus si c'est précisé pourquoi aujourd'hui on n'a plus le minhag de le faire. D'accord? Alors, du coup, et c'est ça, là, de nouveau. C'est que si on est 10. Mais si on a commencé, on n'était pas 10, on ne pourra pas le faire. En porsin et shema. Donc, on ne pourra pas être pores et shema. Lire le pras, la moitié du schéma. Pras, ça veut dire moitié en aramien. La moitié du schéma. Ou bien, ven ovrin le finateva. On ne pourra pas passer devant la teva, c'est-à-dire prier en public. Qu'il y en a un qui va sur la teva et qui va prier au nom de tous. En chalier tibour. Ve'en nosin et kapem, on ne fera pas la nesiat kapaim des kohanim. Ve'en korin batora, on ne pourra pas lire à la Torah. Ve'en maftirin banavi, on ne pourra pas non plus lire dans le navi, ta 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 ta, et la be'asara. D'accord? Par contre, me'asara, moins que 10 personnes. Ça c'était pour le premier,
La première partie de la Mishnah, ça nous écrit une isote pour signer notre chemin. Ovrin et Finateva, Nosin KPM, Korin Vatora, Naftirin Banavi. Il y a 5 premières misotes déjà en rapport avec les misotes qu'on fait en public lorsqu'on prie. À part ça, maintenant, il va y avoir 3-4 misotes sur, même 5 choix, sur les Avelim, les endeuillés. Alors là, c'est toute une histoire aussi, on n'a plus tellement l'usage de le faire. On a gardé quelques usages aujourd'hui pour. Ils avaient des usages très très différents à leur époque pour enterrer les morts. Lorsqu'ils enterraient les morts, ils faisaient du kavod de lorsqu'on portait le mort, alors on transportait le mort, il fallait 10 personnes. Donc s'il y avait 10 personnes qui étaient là, on faisait quelques mètres, on s'arrêtait, on s'asseyait, quelqu'un faisait un espèce. C'était pour donner du kavod aux défunts. Et puis on se relevait. Imdou, Shvou, Avelim, Imdou, Avelim, comme ça la Gemara raconte. Et on le faisait, je crois, 7 fois, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 7 fois, ça rapporte dans le Barthénoi. Et alors là, il faut nécessairement 10 personnes. Par contre, si on enterre et qu'il n'y a pas 10 personnes, on ne pourra pas faire le Mahamad ou Moshav. C'est ce qu'on a dit là, en aussi Mahamad ou Moshav. On ne fera pas l'usage du Mahamad ou Moshav de dire asseyez-vous, levez-vous. Mahamad se lever et s'asseoir. Ven omrim birkat Avelim. Aussi, une birkat Avelim. Alors là, birkat Avelim, c'est, je ne sais pas. S'ils attendaient la Seouda Tavra, ça apportait dans la Gemara, dans tout vote essentiellement, un peu ici, mais surtout dans le vote, où la Gemara raconte que, en fait, on disait une bracha keneged avelim. Il y avait, une fois qu'on avait fini, je crois qu'il fallait même prendre un verre, comme on fait un bracha pendant Brit Mila, on faisait la même chose après, c'était pas les endeuillés qui buvaient, mais non, c'est aussi, il y avait aussi un premier usage, c'était les endeuillés qui buvaient, les endeuillés ont le droit de boire du vin dans la Gemara. Je crois que c'est Amina Gashkenaz après d'arrêter de boire le vin, mais en théorie, même Sati Shabbat, on ne boit pas de vin, hein, parce qu'on est en deuil pendant la semaine, mais les endeuillés eux-mêmes ont le droit de boire le vin, pire que ça. La Gemara rapporte que c'est le vin, il a été créé que pour les endeuillés. Shalom et Damikolze, Bezant Hachem. Et en tout cas, la Mishnah nous dit que la Birkat Avelim, c'était une bracha qu'on faisait en l'honneur des endeuillés et en l'honneur des gens qui étaient venus pour leur présenter leurs condoléances. Eh bien, En Omrim, Ven Omrim Birkat Avelim, on ne dira pas cette Birkat Avelim. Ou encore les Tanchuma Avelim, ça on a l'usage encore de le faire, c'est à la sortie du cimetière. Je sais pas si vous avez déjà vu, on se met en ligne. Et les endeuillés passent devant nous, on leur dit, mais Nachamem Tenuchamou, Makam Nachametrem pour les Ashkenaz. Et alors ça, ça s'appelle faire des chourotes. Ou Birkat d'accord, ça c'était donc. Ça nous a fait combien de mitzvot? Mamadou Shav, Birkat Avelim, Tanchum Avelim, 3 mitzvot pour les endeuillés. Ou Birkat Ratanim, aussi la Birkat Ratanim cette fois-ci, bon, on cherche un petit peu plus joyeux. La Birkat Ratanim, les Shababrachot qu'on fait, la Bracha de Ratanim, la Shabbat Sasson et Simcha, aussi il faut 10 personnes. Selon le cas, pour les endeuillés, il faut que les endeuillés ne font pas partie des 10, il faut 10 personnes en plus. Pour la chourotte et tout ça, tandis que Birkat Ratanim, le marié fait lui-même partie de du minyan. Ven mezamnin bechem, on ne fera pas de zimun bechem, dire nevarech alokinu shachan mushalo, baruch alokinu shachan mushalo tu ochainu, on ne dira pas que si, par chot me'asara, si on n'a pas les 10 personnes, d'accord? Ou bekarkaot, tish'a vekoen. Maintenant, autre chose, c'est les karkaot. C'est lorsque on a sanctifié un champ. Et puis maintenant, il faut le racheter. Pour le racheter, il faut lui faire une évaluation. Et donc, pour cette évaluation, il va falloir qu'il y ait 10 personnes et dont l'un d'eux soit un Kohen. D'accord? C'est déduit de Psukim, la Torah, Ve'aracha Kohen, Ve'aracha Kohen, que la. Dans Parashat, Bechukotai. Où il y a les Arachin, ça s'appelle. Mishnah de Arachin, comme on l'a appris dans Kochim. Où il faut faire une évaluation. Des choses, et bien il faudra 10 personnes dont l'un d'eux soit un Kohen. On parle parce que dans la Arachim des hommes, la Torah a parlé des hommes, des champs et des animaux. Et la Torah a mentionné 3 fois le mot Kohen dans l'un, 3 fois le mot Kohen dans l'autre, et 4 fois le mot Kohen dans l'autre, ça fait 10, c'est Kohen, et puis après, selon des méthodes de déduction, on déduit qu'ils sont tous Kohen, mais ça suffit qu'il n'y en ait qu'un seul Kohen. Mais Adam, aussi celui qui fait le vœu de donner sa propre valeur, il a dit Dama Yalai, je veux donner ma valeur qui correspond en fait au marché des esclaves, quelqu'un comme moi, selon ma corpulence, mon âge, hein, et mes capacités, ce que ça coûte, je veux donner ma valeur à moi au Beit HaMikdash, et bien pour pouvoir évaluer combien est-ce que je vaux, de nouveau, Kayot Seben, il faudra, comme pour les Karkaot, il faudra 10 personnes, dont l'un d'eux soit un Kohen. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Vassilachakolotou, c'est là.